Bonjour tout le monde. Hello everyone. Today I'm at Big Rig Brewery with brewmaster Lon Liddell and the MP for Kanata Carlton, Karen McCrimmon. Last time I was here at Big Rig was with President Obama, so I'm glad to be back. Now, when the pandemic first started, Big Rig took a real hit. They had to close their doors and let go almost all of their staff. Eventually, Lon was able to start hiring back some of his team, and they wasted no time in adapting to the new normal. They set up an online shop and, with the help of Shopify, started making home deliveries. But Lon and his team wanted to do more for their community and for our frontline workers. So they started making hand sanitizer for local community organizations that do really important work, like the Kanata Food Bank, Shepherds of Good Hope, and Chrysalis House. To keep up with a growing demand for hand sanitizer, food, and beer, Big Rig used the Canada Emergency Wage Subsidy to hire back almost all their members of staff. And to save money on rent, they also used the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. Big Rig is one of the thousands of companies across the country stepping up to help their workers and their community during this tough time. Programs like the Canada Emergency Wage Subsidy and the Canada Emergency Commercial Rent Assistance are there to help them get back on their feet. We also launched the Canada Emergency Business Account to help small businesses get a loan to bridge to better times. And we recently expanded the eligibility for this program to include even more small businesses like farmers. As of today, this expanded CEBA will be available through the major banks. We're actively working with other lenders, including credit unions, to make sure small businesses have access to the help they need. As we move into the summer, Canadians can keep counting on our support. Alors qu'on entre dans un nouveau stade de la crise, tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour veiller à ce que les Canadiens puissent retourner au travail en sécurité. Hier soir, les premiers ministres, la vice-première ministre et moi avons tenu notre 15e appel hebdomadaire. On a notamment discuté de la proposition de notre gouvernement d'octroyer 14 milliards de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents au cours des prochains mois. C'est de l'argent qui pourrait être utilisé pour assurer la sécurité des enfants à la garderie, accélérer la recherche de contacts et acheter plus d'équipements de protection individuelle. Au moment où on commence à relancer l'économie, on doit s'assurer que les Canadiens ont tout ce dont ils ont besoin pour protéger leur santé et celle de leur famille. Les premiers ministres et moi avons aussi parlé des restrictions à la frontière et de la nécessité de faire preuve de prudence alors que l'été s'amorce. La COVID-19 menace toujours notre santé. C'est pourquoi notre gouvernement va continuer de travailler étroitement avec les provinces et les territoires pour soutenir les gens pendant cette période difficile. J'aimerais maintenant faire le point sur la présence de nos forces armées canadiennes au Québec et en Ontario. This morning, I want to take a moment to thank our Canadian forces for stepping up once again in our time of need. Since April, our women and men in uniform have done great work to help stabilize the situation in long-term care facilities. As of today, our members remain active in one facility in Ontario, and we anticipate that they'll be ready to leave in the coming days once the situation is stable. Du côté du Québec, nos membres des Forces armées canadiennes ont fait un travail remarquable depuis leur arrivée sur le terrain le 20 avril dernier. Nos troupes ont aidé à stabiliser les choses dans un total de 47 résidences et je veux prendre un moment pour les remercier de leur aide. Mais nos membres n'ont pas terminé leur mission. Ils stabiliseront encore 4 résidences au cours des prochains jours. Dans l'ensemble, la situation dans les CHSLD s'est grandement améliorée. Les besoins ne sont plus les mêmes qu'il y a 2 mois. C'est donc pourquoi au cours des dernières semaines, on a travaillé avec Québec pour développer un plan de transition qui va nous permettre de transférer les opérations en cours du personnel militaire au personnel civil. Et aujourd'hui, on peut annoncer que la Croix-Rouge canadienne viendra prêter main-forte jusqu'au 15 septembre. Il y a quelques semaines, notre gouvernement avait accordé 100 millions de dollars à la Croix-Rouge, ce qui va leur permettre de fournir 900 personnes prêtes à servir dans les CHSLD.
Une première tranche de 150 personnes sera déployée d'ici le 6 juillet et 750 personnes additionnelles entreront en poste d'ici le 29 juillet. L'arrivée de la Croix-Rouge va donc permettre à nos forces armées de retourner à leurs fonctions habituelles et être prêts à toute éventualité. D'ici le 15 septembre, on va quand même maintenir des équipes prêtes à intervenir rapidement en cas d'urgence. Les Canadiens peuvent toujours compter sur notre appui. I'd like to end today by recognizing that this is a weekend when many of us would be heading to a Pride celebration. Pride is a chance to celebrate who we are and take stock not only of how far we've come as a society, but how far we still have to go. Because there's still so much more work to be done to ensure greater rights, protections, and inclusion for all LGBTQ2 people. I know that many of you are disappointed that you can't get together this year, but I hope that you still all get to celebrate in your own way. And to the kids out there who are worried about not being accepted for who they are, I want you to know that we're here for you, we support you, and that we will always stand by you. Aux jeunes qui nous écoutent et qui ont peur de ne pas être acceptés pour qui ils sont, on est là, on vous appuie, et on va toujours être avec vous. Merci.